Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans ce nouveau tuto, j'aimerais vous montrer comment créer un compte TikTok monétisable en Afrique. Vous savez, quand vous ne créez pas bien votre compte, même si après vous remplissez les conditions de monétisation, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ce compte. Déjà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte TikTok monétisable en Afrique. Voici un compte que j'ai créé le 7 décembre 2023. Et le compte a déjà plus de 300 000 abonnés et j'ai déjà pu monétiser ce compte. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai pu tester et que cela a marché. Regardez bien le compte. Nous pouvons vérifier. Vous allez voir ce que j'ai pu gagner avec ce compte TikTok. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà pu gagner 735 euros avec mon compte TikTok, alors que je suis bel et bien en Afrique. Je vais vous présenter l'astuce. C'est très simple. Nous allons rentrer dans la page principale TikTok. Quand vous êtes dans votre page principale TikTok, vous allez cliquer sur votre profil tout juste ici en bas à droite. Dès que c'est fait, vous validez sur les trois petits points en haut à droite. Une fois ici, vous allez valider sur les trois petits traits en haut à droite. Et dans votre compte, vous n'allez pas voir ces trois options qui se présentent en haut, c'est-à-dire outils pour les créateurs, soldes, mon code QR. Vous allez voir simplement paramètres et confidentialité parce que votre compte n'est pas monétisable. Nous allons créer un compte qui va afficher toutes ces trois fonctionnalités qui permettent de monétiser un compte TikTok. Et pour ce faire, vous allez juste valider sur paramètres et confidentialité. À ce niveau, vous allez défiler au fond de la page. Vous validez sur changer de compte, tout juste ici en bas. Et on va vous donner la possibilité d'ajouter un compte TikTok. Vous allez valider dessus. Et à ce niveau, TikTok va localiser automatiquement le pays dans lequel vous vous trouvez. Sachant que vous ne pouvez pas monétiser étant dans votre pays qui est non éligible, vous allez valider sur le nom de votre pays. Moi, je suis au Cameroun. Vous allez valider sur Cameroun. Et pour vous, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite. Vous validez dessus. Et ça va présenter la liste de tous les pays. Vous allez choisir un pays éligible. Ça peut être les États-Unis. Ça peut être la France. Nous allons sélectionner la France. Voilà, on sélectionne la France. Et dès que c'est fait, vous allez valider sur continuer avec Google. Et on va vous demander d'utiliser une adresse Gmail. Vous allez choisir une adresse Gmail que vous n'avez pas encore utilisée. Une fois à ce niveau, on va vous demander de mettre votre date de naissance. Vous allez insérer votre date de naissance. Dès que c'est fait, vous validez sur suivant. À ce niveau, on va vous demander de choisir un nom d'utilisateur. Vous allez choisir un nom qui vous convient. Vous mettez un nom d'utilisateur de votre choix. Dès que c'est fait, vous validez sur confirmer. Nous venons de créer un compte TikTok monétisable. Et pour vérifier, vous allez encore valider sur votre profil en bas à droite. Et vous allez tomber directement dans le compte TikTok que vous venez de créer. Et pour vérifier si ce compte est monétisable, vous allez toujours valider sur les trois petits traits en haut à droite. Vous voyez comment ce compte intègre toutes les options pour la monétisation. Donc, c'est très simple. À partir de ce moment, vous pouvez commencer à créer du contenu pour monétiser votre compte TikTok. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.